Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de formation Waltrain Institute et donc présenté par Waldata. Je suis Stevens. Le thème de ce soir sera comment investir sur les produits de type Small Caps avec votre AT Expert Investor Plus de votre logiciel Wallmaster XE. Donc, nous allons commencer dans une minute. Je souhaite savoir déjà si vous m'entendez une dernière fois, donc correctement, me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors, ok, tout est ok. Ok, oui, ok. Donc bon, bah, ça m'a l'air. Ok, bon, très très bien. Donc, alors, déjà, tout d'abord, qui est Waldata? Que faisons-nous? Donc, Waldata existe depuis 1986. Notre métier est éditeur de logiciels boursiers. D'accord? Donc, comme ça, ben, on met à disposition donc, de nos utilisateurs, de nos clients, un logiciel qui vous permet de détecter les valeurs à fort potentiel. Tout type de valeur, tout type de produit, sur tout type de période de temps. Que vous soyez très long terme, moyen terme, court terme, très court terme. Bref, on s'adapte vraiment à votre profil et à votre façon de travailler. Aujourd'hui, donc, on va réutiliser encore une fois, comme la semaine dernière, eh bien, le module additionnel qui est l'AT Expert Investor Plus. Alors, AT Expert, qu'est-ce que c'est déjà qu'un AT Expert? Un AT Expert, eh bien, c'est un module additionnel, comme je disais précédemment, qui vous permet de trouver des entrées et des sorties sur les valeurs que vous suivez. D'accord? Donc, il en existe plusieurs. Par exemple, l'AT Expert Divergence Pro, l'AT Expert des Tortues, l'AT Expert ICI d'Investor Plus. Le but, alors il y en a qui me disent, ouais, mais pourquoi vous créez autant d'AT Experts? Parce qu'en fait, il faut savoir que par moment, sur les valeurs boursières, un coup on va être en type retournement de tendance, un coup on va être en suivi de tendance, un coup on va être en trading range. Donc, il faut s'adapter justement à tous ces types de, on va dire de valeurs. Donc là aujourd'hui, Investor Plus, il faut savoir donc que c'est quand même utilisé plus pour du moyen long terme. Aujourd'hui, on va surtout parler des small caps. Alors, je souhaiterais déjà savoir si tout le monde sait ce que c'est qu'un small caps. Donc me mettre un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît, dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors je vois oui, non, oui. Non, oui, non, oui. D'accord. Alors déjà, pour remettre les choses dans le contexte, hein, ben je vais me permettre de vous donner une petite définition et vous expliquer ce que c'est qu'un small cap. Alors vous allez voir, en fait, c'est tout simple, hein. Il faut savoir que ça fonctionne vraiment comme une action grossièrement. Alors en fait, on appelle ça une, c'est pas un, pardon, c'est pas un small cap, mais une small cap. C'est une small capitalization. Donc c'est une entreprise à petite capitalisation. Alors, sur les marchés d'actions, on va trouver des entreprises de différentes tailles réparties et qui sont également classées en fonction de leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière d'une société, elle se calcule comment déjà? Eh bien, elle se calcule en multipliant les prix donc de l'action par leur nombre en circulation. Les sociétés qui ont une capitalisation boursière moins importante sont appelées donc les small caps, par opposition avec les plus grosses qui sont appelées les big caps. Alors, les small caps sont souvent considérés comme des investissements prometteurs du fait de la possibilité de les voir se développer et atteindre la catégorie des big caps. D'accord? Alors que les big caps, elles, ben, sont plutôt des sociétés à forte capitalisation boursière et dont les actions sont les plus échangées sur le marché, comme par exemple Total ou BNP Paribas. On les appelle aussi les blue chips. Donc voilà pour remettre un petit peu les choses dans le contexte de savoir ce que c'est qu'une small caps. Alors maintenant, comment faire pour intervenir sur les small caps à l'aide surtout de l'analyse technique, d'accord? Et après, est-ce qu'il faut un outil spécifique pour pouvoir travailler cela? Il faut savoir que l'investissement sur les valeurs à faible capitalisation, donc les small caps, est particulièrement rémunérateur. Okay? C'est l'un des rares types d'actifs offrant donc à l'investisseur des rendements de plusieurs dizaines de pourcents par opération. Ok, là par exemple ici, je vais me mettre dans l'idée sur téléperformance. Alors hop, je m'arrête tout de suite. Petite parenthèse. Là, je suis sur un marché que vous avez peut-être. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous vous rapprochiez donc de votre chargé de clientèle qui s'appelle CAG Mid and Small. Ici, donc vous le retrouvez dans la liste. Hop, voilà. Le CAC Mid and Small, en fait, eh bien, représente le CAC Small, donc les small caps, et le CAC Mid 60. D'accord?
Donc tu as 290 valeurs à peu près. Là, si je prends par exemple téléperformance, ici, donc comme je vous disais que c'était quand même particulièrement rémunérateur, en suivant le dernier signal, dans l'idée, hein, c'était ici, voilà, là je suis déjà à 90,06%, bon, à plus ou moins 0,01 point près, de plus-value. D'accord? Donc en partant du signal ici, alors vous inquiétez pas, ces signaux-là, eh bien, on va les voir justement dans une deuxième partie de webinaire qui arrivera ici, une petite vingtaine de minutes, bien entendu. Alors, il y a quand même une chose, c'est-à-dire que sur les marchés financiers, un rendement élevé rime toujours avec un risque élevé. C'est ça justement qui peut être embêtant. Sur les small caps, il faut savoir qu'une seule erreur de timing coûte très très cher, étant donné la faible liquidité de ce type de valeur. Donc, par rapport à ces mouvements donc de baisse qui vont être extrêmement rapides. C'est pourquoi il nous faut une méthode robuste qui permet de gérer le timing, qui permet donc de gérer la gestion et la prise de position. Et ça, c'est vraiment vital. D'accord? Alors, l'analyse qui sera fondée donc uniquement sur des critères fondamentaux s'avère rapidement insuffisante. D'accord? J'ai vous montré en fin de webinaire justement deux exemples précis qui sont assez évocateurs justement de l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. Donc pour ça, il est vraiment indispensable de recourir à l'analyse technique pour pouvoir détecter, je dis bien avec précision, les moments opportuns pour prendre position. Toutefois, dans les cas des small caps, les règles d'analyse technique doivent être utilisées de façon très sélective. C'est-à-dire que du point de vue de l'AT, de l'analyse technique, les principales particularités du compartiment donc des small caps est bien sûr la faible liquidité des valeurs, d'accord, qui y sont cotées. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que la pertinence de l'analyse technique dépend fortement, malheureusement, de la qualité des données utilisées, d'accord? De par sa nature, l'analyse technique ou graphique, donc des cours basés sur la recherche des configurations de prix qui vont refléter la psychologie des opérateurs du marché. Or, le faible volume d'échanges de small cap, eh ben, fausse considérablement les principes basés sur l'analyse technique, au même titre que le comportement de quelques individus qui ne reflèteraient vraiment pas le comportement de la foule. Un prix résultant de l'échange de quelques dizaines de titres n'a vraiment pas la même signification, pas le même impact que le prix résultant de millions d'actions échangées. OK? Alors, pour pouvoir contourner cette difficulté et bien entendu obtenir des signaux fiables, l'analyse technique des small caps doit être réalisée sur la base des graphiques permettant bien sûr d'augmenter considérablement l'échantillon des cours analysés. Par exemple, sur la base des cours hebdomadaires. Je vous montre. Si je me mets en daily, d'accord? C'est-à-dire que un bar chart ou une bougie japonaise représente une journée de cotation boursière. Il y a certaines valeurs. Regardez par exemple ici. Là, je suis sur Tona Electric. Pour faire de l'analyse graphique, est-ce que vous voyez les petits points qui apparaissent partout sur l'écran? Si vous pouvez cliquer sur l'un des petits points sur l'écran graphique, ça me permettra de voir que vous voyez la même chose que moi. Voilà. Donc on voit en fait, eh bien, un petit point, c'est comme un tick, c'est une transaction boursière entre guillemets. Pour faire l'analyse graphique, l'analyse technique dessus, je pense que vous serez d'accord avec moi. Là, on peut s'accrocher. Par contre, si je me mets par exemple en weekly, ah, alors là, on a quand même un petit peu plus de bar charts. Ok? Prenons un autre exemple. Toc toc toc, je vais prendre, je sais pas, par exemple. Alors, faut que je tombe dessus pour le coup, hein. Alors, toc, toc, non, 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 non. Voilà, c'est un peu comme Bonaldi, je sais pas, ou Patrice Kermouze. Dès que je veux montrer quelque chose, eh ben, je te retrouve jamais la même chose. Voilà, par exemple ici pour ST Dupont, vous voyez très bien que là, l'ouverture égale la fermeture, et l'ouverture le lendemain est égale à la fermeture d'hier, qui est égale à l'ouverture de la veille précédente. C'est pas terrible, terrible. Par contre, si je me mets en weekly, alors là, on a quand même plus d'oscillations. Est-ce que vous voyez les petits bar charts en gris, en vert, en rouge qui apparaissent si vous pouvez cliquer sur l'un d'eux, par exemple, s'il vous plaît? Ça montrera que vous voyez la même chose que moi. Voilà, je vous en remercie. Donc on voit que là, pour faire une analyse graphique, c'est déjà un petit peu mieux. D'accord? Voilà. Donc, maintenant ce qu'il faut,
Une fois qu'on a trouvé, entre guillemets, la temporalité, donc nous, on va vraiment travailler, comme je vous le disais, c'était du moyen long terme, hein. Je ne suis pas trompé, on est vraiment en weekly, donc en semaine. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le choix des signaux. Alors, sur les small caps, le début de nouvelles tendances est lié quand même la plupart du temps à des rumeurs ou à la publication de nouvelles informations relatives à l'activité de la société. Du point de vue de l'analyse technique, la meilleure façon de détecter en fait ce type de configuration, c'est d'utiliser le signal dit de breakout, confirmé par les volumes. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un signal de breakout? Tiens, ça m'intéresserait de savoir ça. Un O pour oui, un N pour non. Alors, n'ayez pas peur de mettre non, on est là pour apprendre de toute façon, hein. Alors, j'ai un. Alors, non, oui, non, 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 oui, non. Ah bah c'est bien, ce soir, il y a plus de non que de oui. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le breakout, hein. Le breakout, donc cette approche. En réalité, vous allez voir par la suite, avec des exemples concrets que je vais vous présenter, cette approche est parfaitement logique. En attente de nouvelles sur la valeur, la variation des cours va avoir tendance à diminuer. Okay? Les intervenants qui suivent cette valeur sont parfaitement au courant qu'une nouvelle est attendue. La valeur va entrer alors dans une phase de range, une phase d'attente, où il ne se passe pas grand-chose. Compris souvent entre deux seuils. Les intervenants initiés ont tout intérêt à maintenir donc les cours dans une fourchette de prix étroite, dans le but bien entendu d'accumuler la valeur à un prix faible. Ces niveaux bien entendu de prix, eh bien, vont constituer alors une zone de support et de résistance dont le dépassement entraînera l'émergence d'une nouvelle tendance, à la hausse ou à la baisse, hein, d'accord? Dans ce cas de figure, eh bien, les niveaux donc de prix clés sont parfaitement identifiables à l'aide de l'indicateur Price Channel, qui sont souvent calculés en 20 ou en 30 semaines. D'accord? Donc, alors, par exemple, je vais me mettre sur une valeur pour vous montrer un petit peu. Voilà. Je vais enlever mon gros pavé. Toc. Voilà, comme ceci. Par exemple, vous voyez ici, là, j'étais donc en ce qu'on appelle en trading range de 2009 à ici, à peu près fin 2010. Ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, attendez, hop, je vais vous dessiner une petite ligne. Voilà. Le trading range, vous voyez, en fait, vraiment, ça circule entre deux seuils. Et puis, bah, ça va ni tout en haut, ni tout en bas. Mais là, en fait, eh bien, ceux qui sont initiés, comme je le disais, qui sont en attente d'une nouvelle, eh bien, vont attendre justement cette cassure. Toc! Pour les chercher, si bien sûr on le souhaite, une nouvelle tendance qui serait une tendance plus haussière, bien entendu. OK? Donc voilà ce que c'est que le breakout. En fait, c'est vraiment tout tout simple, mais alors, pour le coup, il faut savoir justement le détecter. Donc ça, c'est le breakout. Mais il y a aussi l'analyse des volumes et la validation donc du signal. D'accord? C'est-à-dire que on dit que sans volume, il n'y a pas de reprise. L'absence de volume montre en fait qu'il n'y a vraiment pas de flux entrant sur la valeur. Et le signal de cassure de la bande haute, donc du price channel, entre autres, doit impérativement être accompagné de volume en hausse. OK? Alors, pour pouvoir vous expliquer ça, je vais ouvrir tout bêtement un écran graphique. Un graphique de base, par exemple. Hop. Voilà. Je vais rajouter un indicateur type volume, comme ceci. OK. Je vais me remettre sur la Security Dev, donc SCDV, comme ceci. Je vais me remettre en weekly. Voilà. Sur 5 ans, parfait. Ok. Alors, hop, par exemple ici, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez avec l'indicateur des volumes, donc en hebdomadaire, hein, eh bien la tendance des volumes qui précède, qui va précéder en fait le mouvement de hausse de Security Dev ici dans l'exemple, eh bien est difficilement identifiable. D'accord? Il y a très très peu de volume. Et on constate juste quelques pics de volume à l'intérieur de la phase de consolidation. Ok?
Là, on voit, toc, il y a un petit peu de volume, un petit peu ici, un petit peu là. Mais vous voyez, c'est pas flagrant, flagrant. OK? Donc là, il faut aussi prendre en compte tout ça. Ça permet, entre autres, hein, avec un petit peu d'analyse, bien entendu, eh bien, d'identifier ou non, on va dire, eh bien, de bons signaux. D'accord? Alors, il y a une solution aussi qui est pas mal par rapport à cela, c'est la solution qui va passer par l'utilisation de l'indicateur appelé OBV. Ou excusez-moi mon anglais, le On Balance Volume. Alors cet indicateur en fait additionne tout bêtement les volumes lorsque la période analysée, la semaine dans notre exemple, a été haussière lorsque la période a été baissière. D'accord? Et là le volume est tout bêtement soustrait. Et l'utilisation de cet OBV, donc du On Balance Volume, pardon, eh bien va permettre d'identifier clairement une tendance de volume et confirmer donc le signal dit de breakout. Alors je vais vous rajouter, hop, le on balance volume pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est un indicateur, vous voyez, OBV, vous l'avez dans votre logiciel également, bien entendu. Voilà. Toc. Et vous voyez, c'est un indicateur qui est représenté donc en type de courbe, tout bêtement. Et là, ce qu'on peut détecter, voilà. Comme ceci, ce sera par exemple ce qu'on appelle un trend haussier, une tendance haussière, quoi. Voilà, dans l'idée. D'accord? Donc comme ça, c'est quand même mieux au niveau de la lecture AT, analyse technique, de travailler les volumes, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà comment on peut travailler justement ce type de produit, donc les small caps. Entre autres avec le breakout, bien entendu. Mais ce qui compte aussi, ça on l'a dit juste précédemment, c'est la gestion de la position. Et ça, je peux vous dire que c'est très très important. C'est-à-dire que la gestion du timing de prise de position, elle est même primordiale. Mais la gestion de la position ouverte l'est encore plus, d'accord, au niveau du suivi. C'est-à-dire qu'une fois que la position est prise, il est vraiment impératif de déterminer le niveau de stop de protection, c'est-à-dire le seuil d'invalidation de cette stratégie qu'on va utiliser, d'accord? Alors, comme on l'a vu précédemment, le signal de breakout donne des résultats satisfaisants tout de même. Et on le verra par la suite avec des exemples concrets et surtout dans l'AT Expert Investor Plus, eh bien ce que l'on peut faire avec ces signaux de breakout. Et en même temps, je vais vous montrer des petites astuces pour pouvoir peaufiner. Bon, j'en dis pas plus, on va voir ça dans quelques minutes de toute façon. Alors, le signal de breakout donne des résultats satisfaisants, on va voir tout à l'heure. Et en plus, eh bien il est parfaitement adapté aux small caps, comme justement, c'est le but aujourd'hui de toute façon. Alors, il est vraiment possible d'utiliser la bande basse de l'indicateur, qui s'appelle Price Channel, en tant que seuil de protection. Donc ça, justement, on va le montrer. Hop, donc cet écran graphique, je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir le fermer. Voilà. Et donc là, ce qui me fait en fait ma transition, entre guillemets, hein, dans l'AT Expert Investor Plus. Alors, je souhaiterais savoir déjà qui a en possession l'AT Expert Investor Plus. Alors, si vous l'avez en position, me mettez un O pour oui. Si vous ne l'avez pas, un N pour non. S'il vous plaît. Dans le chat en direct à droite. Donc, 2 qui l'ont. 3, 4, 5. Donc, il y en a plus qui viennent, il y en a qui viennent découvrir, en fait, eh bien, cet outil-là, entre autres. Hein. Et j'imagine aussi les small caps, bien entendu. Bon. Comme on l'a dit déjà, les small caps, c'est un type de produit qui est intéressant de travailler avec des signaux dits de breakout, d'accord? Alors sur du long terme, hein, d'accord? Vous me parlez pas de 5 minutes ou des devises, là on est sur les small caps, c'est sur du long terme. Alors déjà il faut savoir que l'AT Expert Investor Plus, premièrement, je vais vite faire une petite parenthèse pour ceux qui l'ont aussi, ça peut peut-être vous aider à, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions là-dessus. C'est-à-dire que vous avez deux onglets, deux espaces différents. Un espace qui s'appelle analyse de la situation technique et un espace qui s'appelle détection des signaux techniques. Nous, pour le coup des small caps et des breakouts, on va parler de l'espace numéro 2. Mais l'espace numéro 1, pour ceux qui souhaiteraient savoir ce que c'est, eh bien ça, c'est vraiment un couteau suisse extraordinaire, dernière génération. C'est le module pour investisseurs qui devait sortir normalement en 2052 tellement il est avancé. Avec ça, vous avez du multifiltrage,
Vous pouvez faire, par exemple, mettre en place la stratégie de Stan Weinstein, mettre en place la stratégie long short equity, tous ces types de stratégies qui sont, il me semble, très très utilisées donc par les professionnels en gestion, placement, etc., etc. D'accord? Donc là, pareil, je vous montre, vous pourrez aller voir sur la chaîne officielle Wildata sur youtube.fr ou sur wildata.fr, le webinaire de la semaine dernière, on traitait ces deux stratégies-là. Nous, on va surtout s'intéresser à l'espace numéro 2. L'espace numéro 2, eh bien, qui va vous donner, pardon, qui va vous donner, eh bien, des signaux précis, clairs, par rapport, en réalité, par défaut, j'entends, hein, par rapport à trois types de stratégies. Les trois types de stratégies qui sont par rapport au breakout, par rapport au croisement haussier d'une moyenne mobile long terme, d'accord, validé par la tendance de l'OBV, et aussi par les retournements à la hausse de l'ADX, d'accord, par rapport donc au DMI plus, DMI moins et l'ADX. Donc très intéressant. Comme je vous le disais, comme nous on travaille sur les small caps, on va surtout s'intéresser au breakout. Donc, les breakouts, pour ce faire, eh bien, on va tout simplement désactiver les autres stratégies de l'espace numéro 2 qui est la détection des signaux techniques. Donc, pour ça, je vais cliquer sur le marteau et la clé à molette. Et là, je vais décocher croisement haussier et je décoche retournement à la hausse. Bon, voilà. Là, je clique sur valider. Je valide ici. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, bien entendu, c'est qu'il faille que je le mette aussi sur l'écran graphique. Donc, je clique sur l'écran graphique, sur la clé à molette et le marteau. Je décoche croisement haussier. Je décoche retournement. Il ne me reste que vraiment que le breakout. Validé. Comme ceci. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, après, bah, il me reste juste à lire. D'accord? Là, j'ai lancé ici le marché CAC Mid and Small. D'accord? C'est le but de notre webinaire ce soir. Donc tout de suite, en tête de liste, je vais avoir les signaux d'achat qui me sont proposés, ainsi que s'il y a des signaux donc de vente. Petite parenthèse, on ne fait pas de vente à découvert, c'est de l'achat et vente, tout ce qu'il y a de plus naturel. D'accord? Ensuite, juste en dessous, une fois que vous avez les entrées en position suggérées, les sorties suggérées, vous avez tout ce qui est en cours, les positions dites ouvertes. D'accord? Et quand on va tout en bas, tout en bas, tout en bas, après on arrive sur des valeurs où il n'y a vraiment aucune position par rapport à ces stratégies. OK? Maintenant, on va se concentrer sur l'écran graphique. Alors, sur l'écran graphique, je vais me mettre, voilà, par exemple, il me fallait juste un cas où j'avais plusieurs types de signaux. C'est parfait. Avant toute chose, que je vous explique un petit peu ce qu'il y a sur l'écran. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est vraiment très très simple. Il n'y a vraiment pas besoin de sortir de l'ENA ou de je sais pas quelle école en bac plus 15 en analyse technique pour pouvoir comprendre. Tout bêtement déjà, lorsque lui il détecte un signal de breakout, d'accord, il me dit buy, qui veut dire achat en anglais, du breakout. Le bar devient vert fluo. Est-ce que vous voyez ce bar vert fluo qui est au 27, au 3 août 2009? Si vous le voyez, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait, je vous en remercie. Donc, il faut savoir une chose, c'est que si par exemple on a oublié ce qu'est un breakout, on met la souris dessus, là on a le cours du signal, la date du signal, le type du signal, donc la breakout sur 20 périodes, et on vous dit que les cours ont dépassé le plus haut à 20 périodes avec l'OBV, donc le On Balance Volume, qui est en hausse, le signal est validé par le Wildata Trend Indicator qui est positif, tout simplement. On parlait de la stratégie, c'est la stratégie breakout. On parlait de la gestion du signal, n'oublions pas ça. Et la gestion du signal par justement un stop de protection. Est-ce que vous voyez ici le stop de protection qui est dessiné? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Alors non, pour Daniel, Daniel 1, Guy, DC, Thier, Diane, etc. C'est pas le stop, le stop de protection, c'est pas marqué stop ici. Le stop qui est marqué tout en haut, c'est stop, j'arrête, je coupe la valeur, d'accord? Mais en fait, le stop de protection qui va nous suivre tout au long de la vie de la valeur dans notre portefeuille, c'est les petits pointillés rouges qui apparaissent ici. Donc, ce sont des stops qui sont recalculés à chaque fois. Selon la méthode, on peut appeler donc stop de protection dit glissant, entre guillemets, hein, bien entendu. Donc les stops de protection, eux, comment ils sont calculés? Je vais me mettre dessus. Voilà, c'est stops de protection glissant, qui sont calculés donc par rapport au plus bas de 10 périodes, tout simplement.
D'accord? Donc lui, il comptabilise 10 périodes en arrière, il va chercher le plus bas, il nous sort le stop. Ici, par exemple, 10 périodes en arrière, donc 10 semaines en arrière, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, c'est là. Il nous sort ici, donc le plus bas qu'il y a eu, tout simplement, etc., etc. Par contre, ce qui peut arriver, et ça peut être vraiment embêtant, vous voyez, c'est ce genre de signal. C'est-à-dire que là, par rapport à la stratégie toujours, je suis sur rentabilité web, dans l'idée. J'ai un signal de breakout, intéressant, le stop de protection qui est ici, mais finalement, quand je vois que là, il me dit, oh là là, il faut sortir, donc je vais mettre la souris sur le stop, ça peut arriver, hein. Alors qu'on se le dise tout de suite, c'est pas le Saint Graal, c'est pas le but, hein. Le but justement, c'est d'aller détecter les fortes opportunités et faire très très attention, d'accord? Moi, je vais vous montrer justement des petites astuces pour faire attention. Là, on a le signal de breakout, on me dit le stop, ah, moins-value de 8%. Bon, là, on a perdu 8%. Ici, on perd 16%. On voit que c'est pas terrible. Mais ce que l'on sait, on l'a dit précédemment dans l'introduction par rapport aux small caps, ce sont des valeurs à faible capitalisation, donc en fait des petites valeurs au niveau monétaire au départ, sur lesquelles on peut mettre 1000 euros, 2000 euros si on peut, hein, bien entendu. Et puis, ben, on va surtout jouer la hausse, clairement. Donc grossièrement, si ça part pas à la hausse, ça part très très vite à la baisse, ok? Il y a souvent une petite phrase aussi donc qui est très très utilisée. Souvent on monte en escalier, mais on descend en ascenseur, d'accord? Donc là, eh bien le but, ça serait de rapprocher le stop de protection. Ça éviterait justement, entre autres, de sortir. Oui, c'est un faux signal, mais de sortir beaucoup trop loin, d'accord? Donc pour ça, moi ce que je vous propose, c'est de vous mettre à une période, par exemple, de 5 plutôt que de 10 et de valider. D'accord? Comme ça, on va perdre 5%, et ici, on va perdre donc 11%, ce qui est quand même mieux que 8 et presque 20. Ok? Je vais faire pareil, hop, dans le market analyzer. Voilà. Alors, ce qui est très bien avec une stratégie comme ça à long terme, ça, je pense que je vais rien vous apprendre, c'est qu'on va pouvoir diversifier son portefeuille finalement. C'est-à-dire que là, on va pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier. Ok? Donc là, dans l'idée, voilà comment il faut travailler. Par exemple, je prends Valtech NR, donc en weekly. Je vois qu'ici, il m'a détecté un signal de breakout le 31 décembre 2012. Ce qui est très intéressant, comme c'est du long terme sur des nouvelles, entre guillemets, nouvelles valeurs, je dis des petites valeurs à faible capitalisation, il est bien quand même d'aller regarder un petit peu s'il y a des nouvelles. D'accord? Pour pouvoir confirmer ou non le fait que bah, la valeur, la société, va prendre un petit bond. Là, entre autres, pour le breakout qu'il y a eu ici, voilà, le 31 décembre 2012, juste derrière, vous voyez, ça a bien marché. Là, quand je vois, par exemple, sur un trade, entre guillemets, un investissement, 31 décembre 2012, donc là, on est au mois de juin, donc à peu près 6 mois, 6 mois et demi, on a déjà fait 53,57%. Ça essuie, entre guillemets, les pertes que l'on aurait pu effectuer sur, je crois que c'était Jacquet. Ouais, c'était Jacquet. D'accord? Là, pareil pour Ingenico, etc. Autre chose aussi pour vous donner un exemple, entre guillemets, concret. Il y a des valeurs qui sont très très intéressantes, ce sont des valeurs pétrolières. Est-ce qu'il y en a qui travaillent sur des valeurs pétrolières? Si vous pouvez mettre un O pour oui, un N pour non. Des valeurs à faible capitalisation ou. Donc, oh, oui. D'accord? Alors, pour ceux qui travaillent ces valeurs pétrolières, est-ce que vous connaissez la valeur AOITO? Valeur AOITO. Un O pour oui, un N pour non. Non, 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 non. D'accord. Donc ça, en fait, eh bien, c'est une valeur qui appartient au marché, donc je vous le montre. Toronto Stock Exchange. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran. Et vous allez voir, c'est formidable. Et là, sur ces types de valeurs-là, ça marche, mais alors du tonnerre. Regardez ici, il y a eu un signal de breakout le 6 février. Voilà. Il faut savoir que là, comme on le disait, hein, ils étaient en attente, les initiés sont en attente d'une nouvelle. Et il y a une nouvelle qui est parue le 26 mars. Vous voyez cette grande bougie-là, là, juste après le gap. Et la nouvelle, c'était, on a trouvé du pétrole au Kenya. OK? Et regardez là, schlac. Et là, quand je regarde, plus-value 296,32%.
C'est énorme. Je peux vous en montrer une autre, pareil, hein, qui a vraiment fonctionné comme ça, dans l'idée, hein. Alors, au niveau de la nouvelle, je me souviens plus à quelques semaines près, mais là, on avait un signal de breakout. D'accord? Donc, l'analyse technique qui nous donne ça. Et je crois que c'était c'était, je crois, en janvier ou quelque chose comme ça. Je suis pas très, très sûr, hein. Mais là, c'est pareil. On a trouvé du pétrole au Niger. D'accord? Au Nigeria. Et là, juste derrière, si je mets la souris dessus, 65,74% de plus-value. C'est extraordinaire, avec le stock de protection qui est glissant derrière. C'est super. Alors, comment aussi vous pouvez travailler ces signaux d'achat? Il est très intéressant, par exemple, de regarder la performance relative, d'accord? La force relative aussi par rapport à ce qu'on appelle un benchmark. Un benchmark, c'est un indice de référence. Pour ça, on a un écran graphique qui est tout fait grâce à votre module ATXpert Investor Plus, qui se trouve donc dans l'onglet graphique, puis ouvrir, je le rajoute en plus, hein. Je vais le chercher dans la liste. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, analyse de la performance relative, ici. Non, c'est l'autre. Analyse de la performance relative de l'Investor Plus. Voilà. Je vais le mettre juste à côté. OK. Alors, ce qui est très intéressant aussi de vérifier, d'analyser, vous voyez, ce qui est bien, c'est que comme c'est pas du trading, on peut mettre quelques jours à analyser la valeur, d'accord, vraiment à être pointilleux, à aller jusqu'au bout des choses. Si je regarde par exemple, hop, je vais me remettre ici à la bonne date d'aujourd'hui, je vois Alors, attendez, je vais me mettre dans l'idée, hein. Je vais me mettre sur Rentabilité Web. Rentabilité Web, il me donne un signal de breakout. Bon, impeccable. Qu'est-ce que je vais regarder par la suite? C'est le potentiel de la valeur à aller chercher son indice de référence, ou vers le haut, ou autrement, d'aller le chercher vers le bas, au contraire. Donc pour ça, ce que je peux faire, eh bien, c'est de traiter la valeur, donc Rentabilité Web, pardon, avec son secteur d'activité. Donc pour ça, j'ai une boîte de dialogue qui est extrêmement bien faite dans l'écran graphique. C'est que je vais choisir son benchmark, donc son indice de référence, en un simple clic de souris. Vous n'avez pas besoin de vous dire, oh là là, Rentabilité Web, c'est quoi déjà comme secteur? Quel indice de référence je peux prendre? Patati patata. Non, vous en pétez pas là-dessus, vous cliquez sur secteur, lui le trouve directement. OK? Là, par exemple, c'est CAC Technology. Là, je vois que Rentabilité Web, il est à moins 50,5, 25% par rapport à son secteur d'activité. Donc, on peut imaginer que, dans l'idée, qu'il va chercher à essayer d'aller rejoindre son secteur d'activité. D'autant plus que juste en dessous, on a le calcul qui est très bien fait de la tendance de la force relative qui est plutôt haussière. OK? Donc là, on a vraiment, entre guillemets, tout pour croire que la valeur va aller chercher une nouvelle tendance à la hausse. Bien entendu, après, à confirmer par rapport au bar prochain qui est donc la semaine prochaine, lundi. On peut également, pourquoi pas, aller travailler rentabilité web par rapport au benchmark du CAC 40. Donc, il me suffit de cliquer tout bêtement sur l'indice CAC 40. Et là, pareil, il me refait le calcul. Tout simplement. Vous voyez, donc c'est vraiment là-dessus, vous avez vraiment tous les outils nécessaires à portée de main. Quand je dis à portée de main, c'est très très important puisque plutôt que d'aller regarder une info à gauche, une info à droite, une info en haut, une info chez le voisin, au bout d'un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Là, vous avez tout devant les yeux. Vous avez à gauche les signaux, d'accord? À droite, l'écran graphique avec les signaux qui sont directement marqués sur les bar charts, d'accord? Juste en dessous, on a le On Balance Volume qui est dessiné. Pour les plus initiés, ou autrement, pour ceux qui veulent venir voir la formation Investor Funds qui se trouve dans nos locaux, présentée aujourd'hui par Olivier Guyon, eh bien, venez à cette formation, on vous apprendra beaucoup de choses là-dessus. C'est très très intéressant. Mais là, vous avez le DMI plus la DX. D'accord? À chaque type de signal, on met la souris dessus. Il nous décompose automatiquement grâce à l'ATSense, eh bien, le contexte de ce signal par rapport à la valeur. D'accord? Après, pour aller plus loin, il y a d'autres outils. Par exemple, il y a les filtres. Dans l'idée, les positions ouvertes, je m'en fiche. C'est trop tard pour moi. C'est déjà parti. D'accord? Signal de vente, non. Non, ça m'intéresse pas dans le sens où aujourd'hui, je cherche des opportunités.
Donc, ce qui m'intéresserait, ce sont que des signaux d'achat. Il suffit de cliquer sur filtre off. Je décoche l'affichage de toutes les valeurs. Et là, je lui dis, voilà, affiche-moi que les signaux d'achat. Donc, je décoche long, je décoche stop. Je clique sur valider. Et je recalcule en faisant un double clic sur la petite barre jaune ou en cliquant sur le bouton rafraîchissement bleu ici. Je recalcule mon Market Analyzer Wellmaster. Là, ce qui va être très bien, eh bien, rien ne vous empêche de vous créer un espace de travail avec ça, un espace qui me détecte les opportunités, un espace qui suit les valeurs que j'ai dans mon portefeuille, un espace qui me donne les signaux de sortie de dite position. Et là, regardez, par exemple, sur 290 valeurs, j'ai trois valeurs sur le CAC Mid and Small qui me sont données en suggestion à l'achat. Donc là, pareil, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps. D'accord? Allez, après, ce que l'on peut faire aussi, pourquoi pas, c'est d'ouvrir un autre market analyzer de type détection de signaux techniques, en fait, exactement le même. Toc. Je le mets juste en dessous. Mais cette fois-ci, alors je vais me remettre pareil sur le CAC Mid and Small, ce qui va être très bien, c'est que technologiquement parlant, là, on a fait vraiment un grand, grand pas dans le logiciel Wellmaster XE depuis ce module additionnel AT Expert Investor Plus, puisque là, en fait, eh bien, les market analyzers, vous l'avez vu très rapidement dans l'espace 1, c'est qu'ils sont multifiltrage dans un seul market analyzer, mais en plus, ils sont indépendants. Par exemple, vous voyez là, j'ai deux fois la même chose, mais en haut, je peux avoir que les signaux d'achat, et en bas, les signaux dits de sortie en position. Voilà. Et regardez là. Et comme ça, rien ne vous empêche de créer après votre propre espace de travail. Là, on a tout devant nous. On a CAC Mid and Small au niveau du marché. J'ai trois signaux d'achat. Attention, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs où j'ai un signal de vente qui est fortement suggéré sur les valeurs. D'accord? Donc là, pareil, très très intéressant. À chaque fois aussi, rien ne vous empêche, pourquoi pas, dans l'idée. Allez hop. De rouvrir le même, je vais le mettre ici, CAC Mid and Small, voilà, de mettre un filtre et de n'afficher que les positions ouvertes. Voilà, donc là pareil, il recalcule, vous voyez, c'est très très simple, très rapide, très efficace, il recalcule et là on a 160 valeurs qui sont en position ouverte quand même, ok? Après, rien ne vous empêche après de les imbriquer, de les mettre en onglet. Donc, dans l'idée comment faire, je prends le market analyzer. En fait, je les mets les uns sur les autres, tout simplement. Voilà. Hop, comme ceci. OK. Je vais les renommer pour que ce soit un petit peu plus parlant. Par exemple, celui-là, ça va être achat. Celui-là, ça va être en position. Celui-là, ça va être vente. Et regardez en fait ce que je viens de faire. Je viens de créer tout bêtement un petit espace de travail vraiment sympa avec trois market analyzers. Un qui me donne la vente, l'autre qui me donne position en cours et l'autre qui me donne les achats. D'accord? Après, rien ne vous empêche de travailler, pourquoi pas, sur vos marchés préférés. Là, par exemple, je vais me mettre sur, je sais pas, moi, compartiment. Voilà, j'attends le calcul. Après, il suffit juste de se balader de entre guillemets de marché en marché. Voilà, je regarde un petit peu. Je me dis, tiens, pourquoi pas regarder le Toronto Stock Exchange Action. Bon, là, j'étais un petit peu loin. Il y a 1421 valeurs, donc vous comprendrez pourquoi il est un petit peu plus lent que les autres. Mais vous voyez, tout est absolument faisable. Vous avez à portée de main ici, pour ceux qui l'ont, je pense qu'ils en sont plus ou moins conscients ou qui vont l'être dans très très peu de temps, c'est que vous avez un outil entre les mains qui est formidable, il est puissant, vous faites ce que vous voulez avec, mais pourtant avec une simplicité telle que une fois que c'est fait, une fois que vous avez créé même votre propre espace de travail, il y a juste à lire. Et ça, c'est top. Voyez, regardez là, sur 1421 valeurs, il me sort 4 valeurs potentiellement, donc on va dire, à l'achat. Voilà, faites-le à la main. Ou même, demandez à un autre produit de le faire sur le marché des logiciels de bourse. Ah bah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça, il n'y en a pas. Avec derrière des conditions aussi énormes, il n'y en a pas du tout. Donc là, ici.
Par rapport aux small caps, vous l'aurez compris, c'est très très intéressant, très lucratif de travailler là-dessus. Là, on a parlé donc bien sûr de l'ATXpert Investor Plus, qui est un module additionnel à votre logiciel Wellmaster XE. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore le logiciel Wellmaster XE? Un haut pour oui, si vous ne l'avez pas. Autrement, si vous l'avez. D'accord. Donc alors pour ceux qui ne l'auraient pas, rien ne vous empêche de nous contacter. Donc je vais vous mettre le numéro de téléphone. Voilà, jusque ce soir, jusque 19h30, et vous demandez le package Wellmaster XE plus Investor Plus. OK? Il y a des offres qui sont faites avec ça. Pour ceux qui souhaiteraient obtenir l'ATXpert Investor Plus, le module additionnel à votre logiciel Wellmaster XE, eh bien pour ça. On va directement sur Internet. Il y a une offre prolongation entre guillemets. Donc alors je vais sur welldata.fr. Je vais donc dans produits. Voilà, il est à 419 euros au lieu de 499 euros. Ok. Donc là pareil, je vous mets le lien. Si vous voulez davantage de renseignements par rapport à l'Investor Plus, tiens, bah, est-ce qu'il est possible de faire ça? Faites-moi par exemple une démonstration un petit peu plus approfondie, bien entendu. N'hésitez pas, pareil, à nous contacter hein, pour toute présentation du module, si vous ne l'avez pas, donc jusque ce soir 19h30. Si vous avez le module et vous avez des questions plutôt techniques, là, il faudra plutôt nous rappeler demain à partir de 8h30 ou revoir donc les vidéos qui sont faites sur l'Investor Plus par rapport au webinaire, entre autres, de la semaine dernière. Et le webinaire d'aujourd'hui qui est également enregistré, qui sera disponible, je pense, sur la toile, demain en principe, hein. Demain, donc, il sera disponible sur, je vais vous montrer la chaîne officielle sur youtube.fr. Et juste à taper Welldata. Et d'ailleurs, à l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel Welldata, vous avez plein de webinaires qui sont pris. Voilà, donc ça dure en général une heure et quart, ça dépend des webinaires et des thèmes abordés. Je vous mets le lien aussi si vous voulez regarder un petit peu les vidéos qu'il y a là-dessus, ou revoir Investor Plus de la semaine dernière, hein, pour vous donner une autre idée justement du module. N'hésitez pas, regardez la vidéo. En tout cas, donc nous vous remercions vivement de l'intérêt que vous portez donc à nos solutions boursières d'aide à la décision Wellmaster XE et merci de votre fidélité bien sûr au webinaire. Donc là, je vous souhaite une agréable soirée. On vous dit à bientôt donc pour un prochain webinaire à votre logiciel Wellmaster XE. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir.